Avant de commencer la vidéo les gars, tout simplement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec mon code créateur. Je m'explique, par exemple, mettez dans les commentaires une phrase ne pas s'abonner à Kickle, enfin ne pas mettre le code créateur Kickle, c'est comme ne pas faire du top 1, ou alors mettre le code Kickle14, c'est comme jouer avec Ninja. Voilà, faites-moi des phrases comme ça, et la meilleure phrase, le meilleur commentaire les gars, sera épinglé sur cette vidéo. Dans un octogone sans règles, c'est quand tu veux frère, mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone, et je vais baiser tes morts et leur cercueil. Ok. Yo la team Poulet Kickle, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fortnite les gars. Dans cette vidéo, on aura vraiment du lourd. Cette vidéo les gars, ça va vraiment être du lourd. On va parler du skin mystère de la saison 8 qui a enfin été leak. Le skin mystère saison 8 a été dévoilé par Fortnite, par Epic Games officiel les gars. On saura son nom, on sait exactement comment il est. On va parler tout ça dans cette vidéo, comment le débloquer. On va aussi parler les gars de quelques petites informations qui ont été leaked donc sur Fortnite. Là vraiment pour le coup les gars, pour cette vidéo, on a vraiment pas mal d'informations. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le skin Honor iconique est toujours à gagner les gars. Donc simplement pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications et de mettre mon code créateur qui est Kickle14. Mon code Kickle14 s'écrit K-I-K-L-E-14. Il est en haut à gauche de l'écran. Voilà les gars, vraiment n'hésitez pas à le mettre. Très important pour participer, pour essayer de gagner le skin Honor et iconique. Le tirage se fera exactement à la fin du mois. Je compte sur vous et on va passer au vif sujet de la vidéo. Bon alors les gars, comme vous le savez, on a un mode arène sur Fortnite. Donc le mode arène, c'est un peu une mode compétition. Et Fortnite a ajouté un petit concept, c'est même eux qui l'ont dit, hein. Voilà, je vais vous mettre l'image à l'écran exactement. On peut voir qu'on a des sacs à dos. Alors ces sacs à dos les gars, ils seront à mon avis extrêmement rares. Pour les personnes qui gagneront le mode arène, ou alors qu'il y aura des récompenses pour certains, ceux qui ont fait pas mal de points à mon avis, tout simplement dans le mode arène, vous allez pouvoir les gars récupérer ces sacs à dos. Donc il y a plusieurs styles de sacs à dos, on a les sacs à dos du chevalier, on a les capes et on a les grosses capes. Donc voilà, on a les grandes capes, les petites capes et les sacs à dos chevaliers. On a aussi voilà, des sacs à dos un peu futuristes. Ce sera tout simplement des récompenses. Donc c'est un concept qui a été mis par Fortnite. Ce concept les gars, il sera officiel. Donc à mon avis, à la fin du mode arène, quand il y aura les, bah, tout simplement les, comment ça s'appelle, les résultats du mode arène les gars, on va tous je pense recevoir ces sacs à dos. Ça c'est voilà, c'est pas à mon avis une récompense pour les meilleurs joueurs, sinon bah il y en aurait que 3 exactement, puisque le premier, le deuxième et le troisième, à mon avis il y en aura quand même pour la plupart des joueurs, ceux qui ont fait pas mal de points les gars. C'est vraiment, faut vraiment pas genre faire une partie puis voilà, genre tu donnes à fond, tu fais un max de points et normalement ça se passera bien, tu devrais récupérer un des sacs à dos. Donc les gars, un nouveau mode de jeu devrait arriver sur Fortnite, il se nommerait le jeu d'armes inversées. Il pourrait bientôt arriver sur Fortnite, on a exactement tous les détails que je vais vous afficher à l'écran. Donc ces armes les gars, personne ne les connaît. Ce sont des concepts Fortnite, des armes qui sortiront sur Fortnite Battle Royale pour ce mode de jeu qui sera à mon avis exceptionnel. On peut remarquer les gars, on a des armes de l'ancien temps, c'est à moitié des armes pirates en même temps un peu futuriste. On peut voir, on a un fusil sniper, on a une pioche, on a une hache, on a quoi, on a un pistolet, on a une AK ou une AR. Et voilà, ce mode de jeu les gars, il sortira sur Fortnite. Donc tout simplement, c'est un principe hein, avec des armes assez anciennes. Et puis voilà, je pense que ce mode de jeu sera assez stylé. On trouvera bien évidemment que ce type d'armes là. On n'aura pas d'armes qu'on découvre, qu'on prend voilà, dans les modes de jeu Battle Royale normal, voilà, normaux. On aura vraiment ces armes là qui sont affichées à l'écran. Je pense que ça peut être stylé, je pense que ce jeu d'armes il peut être sympa. Bon bien évidemment les gars, faut savoir que ce jeu d'armes inversé, il sera tout simplement à un temps limité. Aïe 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 les gars, Fortnite nous a vraiment gâté. Le mode trio a enfin fait son retour sur Fortnite les gars. Le mode trio va faire son retour sur Fortnite, c'est exceptionnel. Enfin, on l'attendait, donc à mon avis, ouais, là où je fais cette vidéo, il doit être revenu le mode. Dans tous les cas, ce jeudi 4 avril, les trios sont de retour temporairement, voilà. Donc, comme le dit Fortnite, je lis, ouais, voilà, il est revenu le 4 avril, donc il est revenu hier soir exactement. Donc, bien évidemment, c'est pour un temps
voilà, limité. Il fait, vous voyez, marqué exactement que dans tous les cas, en ce jeudi 4 avril, donc dans le 5, donc il est là depuis hier, les trios sont de retour temporairement. Donc voilà, c'est quelques temps de, enfin, sympathique, c'est sympa de la part de Epic Games, franchement, de mettre le mode trio. On l'attendait tous parce que c'est vrai que en squad, quand tu dois combler avec un mec que tu connais pas, ou alors tout simplement que tu dois être trio vs squad, avouez-le les gars, c'est vraiment chiant, mais chiant de chez chiant les gars. L'histoire des travaux sur Fortnite, ça n'en est pas fini. On a découvert le la météorite, le conteneur. Et les gars, on a découvert des camions de construction qui sont arrivés près de Loot Lake pour exactement creuser un nouveau trou sur Fortnite. Donc comme vous pouvez le voir, ces camions, c'est des camions de travaux. Ils serviront à creuser un nouveau trou sur Fortnite. Je sais vraiment pas ce qui nous prépare Fortnite, les gars. Je sais pas du tout. C'est la première fois que je peux même pas vous donner de théorie. J'en ai aucune idée. Essayez de me donner une théorie dans les commentaires. J'aimerais bien savoir, les gars. Bon, et puis petite news à part, les gars. Il y a un joueur qui a imaginé Tilted Towers, les gars. Oui, un joueur a imaginé Tilted Tower de façon futuriste. Je vous mets exactement l'image à l'écran. Je voulais juste, voilà, vous montrer cette petite image. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et exactement, il y a marqué que cette ville a été nommée Tilted 2119. Donc c'est vraiment la ville futuriste que ce joueur a créé en mode créatif. Il a dû prendre énormément de temps. Bon, voilà les gars, on va passer au vif sujet de la vidéo. À mon avis, c'est vraiment le sujet que vous attendiez tous, les gars. On va parler du nouveau skin mystère. Le skin mystère de la saison 8 de Fortnite, les gars, se dévoile enfin. Enfin, les gars, on a le design du skin secret, du skin mystère, appelez-le comme vous voulez, saison 8 sur Fortnite. Je vous mets l'image à l'écran de ce skin, à quoi il ressemblera, les gars. Je vous assure qu'il semblera à ça. Il a été trouvé dans les fichiers du jeu. Et c'est la première fois, les gars, écoutez bien, c'est la première fois depuis ces 8 saisons que Fortnite nous dévoile exactement le design du skin secret d'une saison. Là, c'est vraiment incroyable. On a le skin tout simplement mystère de la saison 8. Et à mon avis, la question que vous posez, c'est comment s'appelle ce skin? Les gars, ce skin s'appelle le skin ruine, exactement, R-U-I-N-E. Donc, franchement, il a l'air badass. Il a l'air énormément badass. Je sais même pas quoi en penser. Il est grave stylé et on peut voir qu'il se situerait dans le volcan. Je pense que c'est un bail comme ça. Il se situerait dans le volcan. Ouais, et puis, waouh, il est badass. Je sais pas si vous remarquez, les gars, mais c'est un mélange de chevalier noir, de Omega, de prisonnier. On a tous les mélanges pratiquement de toutes les saisons. Je viens de remarquer ça. C'est un truc de ouf. Et là, vous avez demandé, ouais, comment on fait pour le débloquer? Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme d'habitude, les gars. Il faut que vous ayez débloqué, compléter 55 défis hebdomadaires, que ce soit défis quotidiens, enfin défis du base de combat. Il faut avoir débloqué 55 défis, effectuer 55 défis hebdomadaires. Donc les gars, franchement, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur ce skin. C'est un truc de ouf. Je pense que les gars, on aura pareil, on aura des étapes à mon avis de skin. Étape 1, 2, 3, 4 comme on a eu pour le skin prisonnier de la saison 7 sur Fortnite. Vraiment là les gars, on est à la 5ème saison ou la 6ème saison, il me semble, la 6ème semaine je veux dire. On est à la 6ème ou la 5ème ou 6ème semaine de la saison 8. Et on a déjà, enfin, on nous a déjà dévoilé le skin mystère de la saison 8, les gars. Et vraiment, en plus, c'est en complet, quoi. C'est même pas un concept, c'est le skin de la saison 8 mystère. C'est pas un truc de fou. Donc, pour ceux qui ne voulaient pas être spoil, les gars, je suis vraiment désolé. Mais voilà, on a le skin mystère. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, les gars, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un truc de fou dans cette vidéo, les gars. Je pense que je vous ai fait découvrir pas mal de choses. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, les gars, aussi à liker. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kickle. Allez, ciao tout le monde.